Putain, j'ai reçu un colis, mais il n'arrête pas de bouger. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça n'arrête pas de bouger. Casse-couille. Dites-moi, vous avez pas vu un petit truc blanc passer là? Parce qu'il faut que je fasse sa patte là. Il est passé où? Petit. Je sais pas ce que c'était dans ce carton, mais ça sent pas bon. Hein. Je vous le dis, ça sent pas bon. Salut Lou, bon, j'ai décidé de faire une vidéo de blabla. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Donc c'est fini, ça y est, vous voyez, hein, qui vont être contents, c'est fini les lapins crétins, c'est fini les marmottes, c'est terminé. J'arrête. Hein, on arrête tout ça, c'est fini, c'est terminé. Je crois que j'ai parlé trop vite. Bon, bref, en conclusion de l'histoire, voilà, c'est une vidéo de blabla. Donc, vidéo de blabla est égal à blabla. Voilà, donc on va décider de faire du blablatage. Voilà. Et bienvenue à Blablacar. Non, franchement, cette blague était mieux à chier. Bon, bref, en conclusion de l'histoire, voilà, donc j'ai décidé, en fait, d'abandonner le projet Troll. Pourquoi je l'ai abandonné? Parce qu'en fait, je suis passé à l'optique de vendre déjà ce que j'ai à vendre et passer après à autre chose. Donc, j'avais rangé en même temps, c'est pour ça que j'étais pas là pour un petit moment. J'ai tout rangé l'atelier. Sauf que à chaque fois que je bosse, bah, ça redevient très vite le bordel. Donc, je me suis fixé un truc, c'est que tous les vendredis, je range. Voilà, j'ai décidé, je fais ça. Alors, pour info, vous avez vu, la porte a encore changé. Hein. Donc, on est toujours, bien sûr, dans les 10. Hein. Il faut toujours prendre minimum 100 GPS chrono. Oui, il y a un colis qui est là, c'est un colis que je vais envoyer. C'était pas prévu, hein, je vais l'enlever. Voilà. Et voilà, et puis, alors, il y a un petit dessin aussi que je précise comme de ma fille qui est juste là. Je voulais quand même lui faire honneur sur ma porte. Voilà. Donc voilà, j'ai décidé de faire du jaune parce que il y en a dans le sud qui manque de soleil. Donc j'ai décidé de ramener du soleil du nord dans le sud. Voilà. Bon, je vous conseille pas forcément l'Île-de-France dans le nord parce que c'est vraiment un truc très spécial. Moi, je commence à saturer totalement d'ailleurs de cette ville de dingue. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, c'est une vidéo blabla parce que j'ai des choses à vous dire. Alors voilà, je suis en train de dégager tout ce qui a dégagé, c'est-à-dire tout ce qui va être à vendre. Je vais faire ça en priorité. Donc ça va être XP6 41T que je vais m'occuper en premier, tu vas voir. Et puis après, peut-être on verra si, parce que la derby n'est toujours pas vendue, donc c'est toute une histoire cette derby, parce qu'elle commence à sortir par les trous de nez celle-là. Et puis après on attaquera peut-être soit une autre, soit sinon, bah après je reviendrai peut-être sur le projet Troll, je sais pas trop. Et non, avant le projet Troll, j'ai aussi mon scooter à refaire. Enfin bref, donc tu vois, tout est un peu désorganisé ces derniers temps. C'est un peu le bordel. Donc je m'occupe d'abord de la XP6, c'est ce que j'avais dit que je voulais m'occuper. Et c'est là où j'en viens, cette fameuse XP6. Et donc je suis parti vraiment de rien parce que cette machine n'avait même pas de moteur. Donc là je remercie Yannick parce que Yannick, Yannick du 91, elle est sur sa chaîne. Franchement, il faut aller le voir parce que grâce à lui, j'ai pu avoir le bloc moteur, une bonne partie du bloc moteur. Même si tu vois, ton bloc moteur, il m'a fait un petit peu suer et j'ai pas fini d'ailleurs parce qu'il faut que je le remonte. Il m'a fait un petit peu suer dans un sens que putain, c'est du boulot quoi. C'est vraiment du boulot. Alors, je vous cache pas que quand vous refaites un bloc moteur, faut peut-être, même si vous l'achetez pas cher, je peux vous garantir que ça vient très vite cher les pièces. Donc, c'est ça que je tenais à vous le dire. Donc, c'est une machine que je vais revendre. Donc, j'ai décidé de faire une machine Apocalypse. Oh putain! Et ben alors, les gars, je suis. Alors, au départ, je partais sur une base d'un truc. Et puis, il m'est venu une idée là-dedans. Alors, les gars, je vous garantis, quand vous allez la voir, cette machine, attendez-vous à quelque chose de vraiment surprenant. Limite à vous faire peur. Parce que, alors là, je me suis lâché, mais complètement. Et franchement, le rendu. Alors. J'ai pas fini, hein. J'ai fait que la face avant et puis le garde-boue pour l'instant. Et puis quelques petits détails, c'est une expérience que je suis en train de tenter. Je sais pas si ça va tenir sur du long terme, parce qu'en plus, c'est une machine qu'on est censé ne pas pouvoir peindre. Parce que comme je l'ai expliqué, c'est du plastique thermomoulé. Donc tu vois, c'est un peu comme le zinc, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc... pour vous dire, en fait, tu vois, donc j'ai décidé quand même de la peindre. Mais alors, j'ai pas peint comme d'habitude. Parce que j'achète déjà une peinture très spécifique pour avoir un rendu spécifique. Tu as dit, là il y a un truc qui n'est pas logique. Ouais, bah, si, c'est logique. Parce qu'en fait, tu vois, donc le problème c'était la base, le fond, c'est-à-dire la base. Tu vois, la base, elle m'allait pas. Elle était noire, un noir dégueulasse. J'ai dit, non, je veux changer de couleur. Mais ça, pareil, je vous le dirai après la couleur, enfin, vous la verrez quand vous voyez la fin, quoi, la couleur. Juste qu'il y a derrière une petite nuance de cette couleur là derrière moi, tu vois, et vous allez comprendre. Je dis pas du jaune quand même, pas, faut pas abuser. J'ai pas fait une machine Ricard, hein, faut pas abuser.
Je m'appelle pas. Je m'appelle pas. Gray. Voilà. Ou Mabonze. Parce qu'il y a Mabonze aussi. Hein. Et puis il y en a d'autres qui aiment le Ricard. Mais bon. Donc, bref. Bon, voilà. C'était juste une petite parenthèse. Donc, l'histoire qui se passe, tu vois, c'est que j'ai décidé de refaire cette machine. Donc, j'ai dit, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre d'une couleur en bombe. Après, ce que j'ai fait, c'est que la base, je l'ai transformée avec du pinceau. Donc, tu dis bombe de peinture, pinceau, rouleau. Putain. Non, pas rouleau, excusez-moi, éponge. On a sorti Bob l'éponge. Voilà, j'ai sorti Bob l'éponge, oui. Alors, il y en a qui se disent, mais putain, qu'est-ce qu'il va nous faire comme machin? Alors, une bombe de peinture, ok, bon, ça va à peu près. Alors, au départ, c'était de l'aérosol. Aérographe, parce qu'aérosol c'est la bombe de peinture, pardon. L'aérographe, sauf que là je vais en revenir sur ce que m'avait dit Jean m'avait dit quelque chose, il m'a dit tu vas voir c'est de la merde. Et ben je confirme en effet, bon heureusement que je l'ai acheté en promotion ce merde, parce que c'est vraiment de la merde. Je vous le cache pas, c'est de la merde, parce qu'il se bouge tout le temps. Donc j'ai dit bon j'ai arrêté là, j'ai dit genre, on va arrêter le massacre. Donc j'ai fait au pinceau, et le rendu il est magnifique. Alors, cette machine-là, je vous garantis, je me suis vraiment lâché, mais complètement. En plus, c'est qu'avec de la récup, mais un truc de malade. Mais je vous garantis, franchement, je pense qu'après la Covid, ce sera l'une de mes plus belles machines. Je ne vous cache pas, donc c'est pour ça que j'ai hâte de vous la présenter, en espérant que ce moteur ne me fasse pas de petites misères, c'est tout ce que j'espère. Parce que là, c'est vrai que j'ai commencé à attaquer la carrosserie, normalement, je m'attaque toujours à la partie moteur, parce que je préfère faire ça en départ. Mais bon, vu que j'ai pas encore passé le vernis, bon, j'ai encore temps. Maintenant, je vais pas la monter tout de suite dans l'immédiat. Je monterai d'abord le moteur, je mettrai de l'essence, je ferai un essai comme ça, blablabla. Et là, je me dis, je me suis complètement lâché parce que j'ai fait des nuances de couleurs, mais un truc de malade. Mais alors, j'ai fait un dégradé. Et en fait, si tu veux, cette machine, tu prends une toile vierge, tu vois, une toile de dessin, et tu te dis que j'ai dessiné dessus. Voilà, c'est grave, j'ai dessiné dessus, voilà, j'ai tout dessiné. J'ai fait un magnifique dessin dessus. C'est. Voilà. Je trouve ça magnifique quoi. Et plus je la vois, plus je la regarde, et plus je me dis putain, j'ai hâte de vous la présenter. Parce que putain de merde, mais qu'est-ce qu'elle l'arrache. Alors, il y en a qui vont dire putain, ça pique les yeux. Je vous le cache pas, pour certaines personnes, ça risque de piquer des yeux. Et ça va faire comme la porte jaune, tu vois, ça va piquer un petit peu. Mais franchement, je suis vraiment sur le cul. Je vous dis, je suis sur le cul parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et je suis agréablement surpris. Voilà. Faut que je boue un coup parce que voilà, le problème du blabla, c'est qu'après, tu n'arrêtes pas de boire. Voilà. Bon, je bois de la flotte. Hein. C'est la rosée de la reine. Voilà. La rosée de la reine. Alors, après, bon, voilà. Donc, j'ai aussi un autre truc à vous dire. Parce que, bon, comme je disais, c'est une vidéo blabla. Donc, là, j'ai parlé de l'XP6. Mais on n'aurait pas oublié quelque chose, il y a quelques temps en arrière, de vous dire que j'avais pas fabriqué une mobilette pour une association. Ah, ben, vous l'avez oublié, celle-là. Moi, je ne l'ai pas oublié. Elle est toujours restée dans un coin de la tête. Mais vous direz, mais où est passé l'argent? Eh bien, telle est la question. Eh bien, l'argent est toujours chez moi. Alors, je vous explique un petit peu parce que ça va se décanter enfin. Parce que je vous dis, je ne vais pas faire cette vidéo exprimant pour ça parce que j'ai du mal à parler, ça fait de fou quand même. Enfin, bref, conclusion de l'histoire, c'est ce que je veux dire. Je ne vais pas parler de ça ici parce que je vous expliquerai en fait ce qui s'est passé réellement. Et je peux vous dire que depuis l'année dernière, c'est une vraie galère. C'est une mission, mais une mission, mais impossible. Et là, sur le coup, ça va être grâce à mon père. J'espère qu'il regardera ces vidéos. C'est grâce à mon père que j'ai réussi à trouver cette solution. Et je vous expliquerai tout ça en vidéo quand le moment sera venu. Voilà, donc, tu vois, il y a des trucs qui ne me plaisent pas encore, comme toutes ces caisses-là que j'aimerais dégager. Parce que, là, tu vois, franchement, j'ai besoin d'espace. Et déjà, l'atelier n'est pas très grand. Donc, j'ai besoin d'espace. J'aime l'espace, tu vois. L'espace-temps, j'aime l'espace, ouais. J'aime respirer l'odeur des gaz d'échappement du deux-temps. Non pas ces putains de prises électriques et ces putains de moteurs hybrides ou des autres choses, tu vois. Bon, bref, faut conclusion de l'histoire, voilà. Donc, j'ai encore pas mal de boulot à faire, quoi. Et quand je la vois, et puis je la vois, et puis je me dis, putain, qu'elle va être mortelle, les gars. Bon, bref, voilà, c'est les vidéos de blabla. Donc, le blabla team est fini. Voilà, et puis n'oubliez pas, il faut être minimum donc dans les 10, et, dans les 10, là, hop, tu vois, et prendre donc, oui, parce que je l'ai là, tu vois, toc, on va le débrancher, moi, prendre minimum 100 GPS chrono, voilà, j'ai fait tomber le chargeur, donc 100 GPS chrono, hein, n'oubliez pas tout ça, parce que c'est très important, hein, de prendre minimum 100 GPS chrono, mais à l'heure actuelle,
T'as plus vite fini d'être à pied que de rouler à 100 GPS chrono. Ouais, parce que là, les flics sont partout en étant. Et c'est chaud patate. Bon, allez, sur ce, bye bye. Et n'oubliez pas, gardez le smile. Voilà, mes amis. Allez, à plus, bye bye. Ciao.